entre la tente et le mec, entre la tente et la relève. Depuis les dépendances que nous attendons, ces hommes d'État qui nous libéreront de notre dépendance au pétrole, qui nous libéreront de la culture coloniale, de notre haine de nous-mêmes, qui nous rendront fiers de notre identité, marquée de notre histoire, la grande éternelle. Depuis l'indépendance, nous attendons quoi? Les bateaux chargés d'alimentation, de passe de quoi faire marcher nos usines, nos écoles, nos universités, nos villes, nos villages, et surtout nos ventres. Oui, depuis des années que nous nous attendons des hommes et des femmes capables d'aller de la bombe. Et le passé ne devrait plus être un pardon, mais une leçon pour inscrire notre combat dans l'universel. Mais dans l'attente, la fuite de nos cerveaux ne cesse de s'accroître. Leur banlieue d'Alger se trouve à Paris, leur médecin attitré se trouve à Paris, leurs épiciers favoris se trouve à Paris, les écoles de leurs enfants se trouve à Paris, leur banlieue d'Alger se trouve à Paris, leur médecin attitré se trouve à Paris, leurs épiciers favoris se trouve à Paris, les écoles de leurs enfants se trouve à Paris. Depuis longtemps que nous attendons des routes qui relient nos villes, mais sans laisser nos vies. Oui, depuis longtemps que nous attendons du travail qui crée de la richesse, et pas celui qui dilapide nos richesses. Oui, depuis longtemps qu'on attend la liberté d'expression sans être jeté en prison, parce que nous avons écrit sur des choses qui semble-t-il n'ont pas respecté l'éthique du pouvoir. Ouais, il y a longtemps que nous attendons des aides pour nous handicaper, pour personnes âgées, pour devenir chômeurs, sans que cette aide devienne une campagne électorale où le monde tue sa majesté. Mais dans l'attente, se trouve à Paris, leurs épiciers favoris se trouve à Paris, les écoles de leurs enfants se trouve à Paris, leur banlieue d'Alger se trouve à Paris, leurs médecins attitrés se trouve à Paris, leurs épiciers favoris se trouve à Paris, les écoles de leurs enfants se trouve à Paris.